Bonjour à tous, on va attendre encore une ou deux minutes le temps que tout le monde se connecte et je démarrerai ensuite. Bien, ok, bonjour. Bon, on va démarrer, même si vous n'êtes pas tous là, ça va faire venir les autres comme ça. Donc aujourd'hui, on va attaquer un nouveau cours en SM57 sur le bus de communication Lean. Alors avant, on va faire un petit point, un petit peu sur le calendrier et qu'est-ce qu'on va faire cette semaine. Et qu'est-ce qu'on va faire dans les semaines à venir, puisqu'en fait, ça a tout petit peu changé par rapport à ce que j'avais espéré, enfin, ce que j'avais prévu, on va dire. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais juste passer, hop, comme ça, voilà. Donc, voilà le calendrier du TBM. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 avril. Donc on fait cours normalement. On va attaquer un nouveau chapitre. On est toujours dans les bus de communication. On a terminé le bus CAN. Donc pour tout le monde aujourd'hui, vous devez avoir les rendus des rapports de TP sur le bus CAN qui sont à remettre sur Moodle. Donc comme ça vous avez été indiqué en TP. Et on va attaquer un nouveau pan de TP qui concerne le bus Lean. Alors, je vous cache pas que j'avais écrit ce TP au début du confinement, en pensant que le confinement allait s'arrêter. Je pensais que le confinement allait s'arrêter le 4 mai. Donc, je pensais qu'aujourd'hui, en fait, était notre dernière semaine, puisque la semaine prochaine, c'était les congés, avant de pouvoir reprendre, on va dire, normalement les cours à l'UTBM. Je pense que vous avez tous eu l'information et on a eu ce matin un message vidéo du directeur de l'UTBM. Donc les cours en présentiel ne reprendront pas avant la fin du semestre.
Ce qui veut dire, et là je vais parler uniquement pour SM57, et je parle que pour SM57, que l'on va faire l'entièreté de l'UV, donc tous nos cours et tous nos TP, et bien à distance, comme on est en train de le faire en ce moment, jusqu'à la fin du semestre. Alors, honnêtement, j'avais écrit le TP sur le CAN et le TP qu'on va commencer aujourd'hui sur le LIN, en espérant qu'on revienne après et qu'on puisse réutiliser ce qu'on a vu dans ces TP dans le projet. Dans le projet que je pensais qu'on puisse encore mener à bien jusque à la fin du semestre. Bon, il se trouve que ça ne sera pas le cas, mais c'est pas un souci, hein, vous inquiétez pas, puisque j'ai commencé à anticiper ce cas-là, et donc ben on va faire autrement. Donc comment est-ce que ça va se passer pour les prochaines semaines? Aujourd'hui, on commence le cours et on va le terminer sur le LIN. Et en fait, je vais faire un cours et je vais pas faire un TD. Je vais plus faire comme ce live YouTube est enregistré. L'idée, c'est de faire la partie du cours et ensuite, je vais reprendre la datasheet de l'UART du DSPIC, puisque le LIN s'appuie sur l'UART, et je vais l'expliquer correctement techniquement, répondre à vos questions s'il y a besoin, puisqu'en fait, vous allez utiliser cette datasheet pour pouvoir programmer l'UART en ligne. D'accord? Donc ça vous aidera. Et puis comme ça, vous pourrez en TP reprendre cette vidéo-là, reprendre ce live YouTube pour pouvoir vous appuyer sur votre TP. Donc ça devrait nous prendre les 2 heures. La semaine prochaine, c'est les congés. Donc il n'y aura ni TD ni TP. La semaine d'après, moi je commencerai un nouveau cours sur les systèmes d'exploitation de temps réel et ça sera la deuxième séance sur le bus, la deuxième séance de TP sur le bus LIN. Alors j'avais écrit le TP initialement pour 2 séances. Vu que le confinement a été prolongé en dernière minute, j'ai rajouté des questions dessus. J'ai du mal à estimer si ça va nous prendre 2 ou 3 séances. Donc voilà ce que je vais faire. Aujourd'hui, enfin cette semaine, moi et Monsieur Vichard allons un petit peu jauger votre avancée en TP. Et suivant comme vous avancez et suivant les difficultés, soit je déciderai que le TP sera en 2 séances. Donc ça veut dire qu'il y aura la séance cette semaine, la séance la semaine du 4 au 8 mai. Et donc, il faudra rendre le compte-rendu, puisque ce TP est également noté, hein, le lundi 11 et le mercredi 13, respectivement, suivant vos groupes. Soit je décide de le passer en 3 séances, et donc, eh bien, le lundi 11 et le mercredi 13 seront la troisième séance, et il faudra rendre des comptes-rendus pour le lundi 18 ou le mercredi 20. Okay? Je déciderai ça pendant les vacances. Donc, pendant les vacances, je vous tiendrai informé par mail. Savoir si on garde. Pour le moment, on part sur 2 séances. Hein. 2 séances avec rendu le 11 et le 13. Savoir si on garde ou si on prolonge. Ok. Pour la suite, en fait, ce n'est pas. Enfin, j'ai anticipé le fait que le confinement allait se prolonger. Dans le sens où je suis allé à l'UTBM et j'ai récupéré du matériel de TP à la maison, ainsi que des PC. Et je suis en train de monter. L'équivalent. Une partie de la maquette qu'on devait avoir initialement en cours, en TP, pardon, et qu'on va faire à distance à la maison. Donc en fait, prochainement, je pense, fin de semaine, ça sera prêt. Je vais vous donner accès à des PC à distance qui seront. Donc il y aura 2 PC idéalement. Chacun sera équipé de la maquette de TP en fait. Donc la carte, un CAN analyzer pour analyser les trames CAN, une UART, etc. Et puis vous pourrez travailler à distance dessus. Donc le TP-Line il est fait pour fonctionner avec le simulateur, sans souci, hein. Les questions on vous demandera de passer sur la carte, et bien vous pourrez vous connecter à distance. Ok? Je vous propose d'en parler plus déjà quand j'aurai fini d'installer et que ça marchera. Et en TP, puisque ça concerne plus le TP. Voilà pour le TP. Et puis la suite des TP après le LIN, on fera OS temps réel. Et en fait, on imbriquera les briques CAN et LIN qu'on a vues
avec un OS temps réel. Donc finalement, ça change pas beaucoup du projet initial, sauf que la maquette de véhicule qui était initialement prévue, en fait, je vais l'émuler avec une autre carte microcontrôleur. Voilà. Donc, Lean pour jusqu'aux vacances au moins, et un petit peu au retour des vacances, et après système d'exploitation temps réel, et puis on finira par optimisation énergétique de consommation de cartes. Ok. Alors, je vous propose d'attaquer. Donc, hop, juste avant, un dernier petit truc sur Moodle. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez le chapitre 2 de Moodle qui est disponible, qu'on voit aujourd'hui, hein. Les prochains chapitres, je les débloque au fur et à mesure parce que je les modifie avec le confinement, je modifie un petit peu les cours. Je vous rappelle également pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent travailler, hein, je vous l'avais dit déjà, il y a un complément du cours sur Canopen. Donc c'est un cours que je n'ai pas fait, hein. Mais je vous laisse tous les slides du cours pour aider à votre compréhension le jour où c'est que vous travaillez avec Canopen. L'énoncé TP a été mis à jour, donc retéléchargez-le. Maintenant, il y a le TP3 à l'intérieur sur le lien qu'on fait cette semaine. De plus, pour le TP-Lean, vous aurez besoin de la librairie Lean que j'ai mis ici. Donc il y a deux fichiers à télécharger, un .h, un .c, et à compléter avec les questions du TP. Et puis, le Lean, il n'y a pas de TD. Ça va plus être, comme je vous l'ai dit, de l'explication de datasheet. Et je vous rappelle vos deux comptes rendus de TP. Hein, groupe 1, c'est le groupe du lundi, et groupe 2, c'est le groupe du mercredi. Donc à me rendre dans les temps, vous faites bien attention à ça. Ok? Allez, on attaque. C'est parti. Alors, le bus Lean. Comme d'habitude, hein, dès que vous avez une question, vous la posez dans le chat. J'ai un petit peu de temps de retard, mais j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Donc, le bus Lean, comme d'habitude, un bus, c'est séparé en deux parties, l'architecture et le protocole. Donc on va déjà partir sur le protocole Lean. On va beaucoup plus parler du protocole puisque l'architecture en fait c'est basé sur l'UART. Donc quand on parle du Lean, on parle plus du protocole que de l'architecture. Donc le bus Lean, c'est l'abréviation de Local Interconnect Network ou en français réseau Internet local. C'est un bus système série, donc comme le bus CAN, qui est utilisé dans les véhicules automobiles récents. Récent, on a commencé quand même en 99. Donc les spécifications du bus Lean sont établies par un consortium Lean, exactement comme le consortium CAN. La première version a été réalisée en 99, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu en arrière. La première version a été réalisée en 99. Et pareil, comme le CAN, si vous vous souvenez bien, CAN 1.0, 2.0, CAN Low Speed, High Speed, eh bien, il y a eu des évolutions du Lean. Alors, l'évolution du Lean est beaucoup plus faible que celle du CAN. Et aujourd'hui, on en a la révision 2.2. Donc, c'est le Lean que je vais vous présenter porte sur la révision 2.2. Elle est maintenant en cours de normalisation à l'ISO. C'est fait, elle est normée ISO maintenant. Alors le numéro de la norme, je ne sais plus ce que c'est. Vous le retrouverez assez facilement sur Internet. Et un petit point sur le consortium qui a créé ce protocole. Donc il a été fondé en 1998 et il est composé de 5 constructeurs automobiles, un fabricant de semi-conducteurs et un sous-traitant. Alors les constructeurs automobiles, principalement allemands, donc BMW, Audi, Volkswagen, et puis il y avait aussi Daimler Chrysler et Volvo. Le fabricant de semi-conducteurs, c'est Motorola, et un sous-traitant, donc c'est un sous-traitant automobile de rang 1, hein, un sous-traitant majeur des 5 constructeurs qui est VCT. Donc la première spécification a été finalisée le 2 avril 2000. Et puis on a vu au fur et à mesure ce bus en fait se développer dans l'automobile. Alors, il est majoritairement quand même orienté automobile. Le bus CAN, on peut en trouver un peu partout maintenant. Le bus Lean, il est majoritairement automobile. Bien que j'ai choisi de vous le présenter dans l'UV système embarqué en général, puisqu'en fait il s'appuie sur l'UART et il pourrait très bien être utilisé dans d'autres domaines sans souci. Alors, quelques exemples d'applications où on va retrouver ce bus.
Et là, tout de suite, vous allez penser qu'il y a déjà un bus qui existe pour faire du multiplexage en automobile, et c'est celui qu'on a vu, c'est le bus CAN. Donc, quel est l'intérêt du bus LIN? Alors, on va le voir dans un instant. Déjà, on va voir les champs d'application. Donc, les champs d'application, ça va être tout ce qui concerne, on va dire, les fonctionnalités qui ne relèvent pas de la sécurité dans le véhicule. Avec une certaine limite, bien entendu. Par exemple, tout ce qui est capteur de pluie, capteur de lumière, contrôle automatique des phares, contrôle automatique des toits ouvrants, etc. On va aussi énormément trouver de LIN dans tout ce qui est portière de véhicule. Alors, pour tout ce qui est pilotage des rétroviseurs électriques. Fermeture automatique des portes, levée et fermeture des vitres électriques, etc., etc. On va retrouver pas mal de lignes pour tout ce qui concerne la climatisation et le chauffage. Et puis, on peut en trouver dans certaines parties un petit peu plus, on va dire, sécuritaires, quelquefois. Le CAN est souvent plus priorisé, comme par exemple tout ce qui est direction assistée. Régulateur automatique de vitesse et puis allumage automatique des phares, bon, etc. etc. Voilà. Donc, globalement, le bus LIN est utilisé pour des applications de confort et le bus CAN est privilégié pour des applications de sécurité au sein du véhicule. Okay. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on voit le bus LIN alors que tout ce que je viens de vous dire peut être fait avec un bus CAN? Alors je vous avais expliqué en introduction du cours sur le bus CAN que en fait le bus CAN il est venu parce qu'on avait une multiplication des composants dans le véhicule et on avait des besoins de multiplexage. Donc on a créé le bus CAN. Le problème qui est arrivé, c'est que le même effet est arrivé avec le bus CAN, c'est-à-dire qu'on a eu une multiplication des bus multiplexés et du nombre de nœuds sur ces bus. Donc, on a un deuxième problème qui est finalement à peu près le même que le premier, c'est-à-dire qu'avec la multiplication des composants présents sur un bus multiplexé, donc le nombre de nœuds sur un bus CAN, se pose un problème, puisque sur un bus multiplexé, plus on augmente le nombre de composants, plus la charge du bus augmente. Donc, lorsque la charge du bus devient problématique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment décharger le trafic sur un bus de données? Alors, il y a une première solution, hein, qui est très simple, et c'est souvent ce à laquelle on pense, c'est utiliser des sous-bus. Alors, utiliser des sous-bus, c'est extrêmement fait, et ça marche très bien. D'ailleurs, quand je vous avais présenté le CAN, je vous avais présenté les sous-bus. Par exemple, il y a un CAN pour la sécurité, qui va gérer tout ce qui est ABS, airbag, direction assistée, etc. Il y a un bus CAN qui est privilégié pour le contrôle moteur. Puis un bus CAN de confort. Généralement, c'est ce qu'on trouve dans les véhicules, trois bus multiplexés. Mais à l'intérieur de ces bus, on se rend compte, par exemple, c'est ce qui est un peu représenté ici, hein, qu'il y a beaucoup de nœuds qui sont associés. Je vais prendre un exemple. Dans le bus de CAN de confort, pardon, on va retrouver les phares, l'allumage automatique et le pilotage des phares, avant, arrière. Le pilotage des portières latérales, donc avec les vitres, avec la fermeture centralisée, etc. Et tout ça fait beaucoup de nœuds. Donc l'idée, c'est de créer encore des sous-bus, par exemple pour la porte avant gauche, là, celle du conducteur. Eh bien, dans cette portière-là, je vais trouver le mécanisme de la vitre, je vais trouver la fermeture centralisée. Et je vais trouver le pilotage électrique du rétroviseur. Eh bien, toutes ces fonctionnalités-là pourraient très bien faire l'objet d'un bus qui lui est propre. Et puis avec une passerelle, remonter sur le bus CAN, le bus de confort. Okay. Donc ça déchargerait le nombre de trams qui passent sur le bus CAN, et puis tout en gardant les fonctionnalités voulues.
Alors, c'est ce qui était fait et c'est très bien. Mais on se pose la question, pour ces sous-bus, quel protocole, quel bus on utilise en fait? La solution la plus évidente, c'est de réutiliser du CAN. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un bus standard automobile, hein, on l'a déjà dans le bus principal. Il est donc compatible avec le bus multiplexé principal. Hein. Mon sous-bus, bah, c'est en gros, c'est copier-coller sur le bus principal. Donc c'est très simple. L'inconvénient, c'est que de par son architecture, il a un prix élevé. Pourquoi? Eh bien parce qu'on l'a vu, hein, l'architecture, la paire de câbles électriques est normée, donc il faut une paire torsadée de 0,6 mm de diamètre de cuivre, etc. Et le contrôleur CAN ben, est un composant qui a un certain prix. Donc le fameux MCP 2551 qu'on a vu en TD par exemple, c'est un surcoût par rapport au microcontrôleur classique, d'accord, lors de la production. Donc on s'est dit, quitte à utiliser un sous-bus, pourquoi ne pas utiliser ben, un autre bus de communication, un autre protocole, une autre architecture, et puis tant qu'à faire, essayer de minimiser les coûts là-dessus. Donc la solution. L'autre solution qui est venue rapidement à l'esprit, c'est un bus très vieux, très ancien que tout le monde connaît, c'est le bus série. Alors le bus série, le gros avantage, c'est que le prix, il est ridicule, puisqu'aujourd'hui, tous les microcontrôleurs sur le marché proposent une sortie série, UX, TX, RX, UART. Okay. Alors les interfaces série, elles se trouvent donc sur la plupart des circuits. Et puis, le jour où on n'utilise pas des microcontrôleurs mais autre chose, comme des FPGA, ASICs, etc., c'est très facile à coder. C'est très, très facile à reproduire. Bon, par contre, il y a certains inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que dans le domaine de l'automobile, il n'y a pas de standard pour le bus série. Donc, c'est pas normé. Ce qui veut dire que chaque constructeur de rétroviseur électrique pourrait très bien faire son propre bus, sa propre avec telle vitesse, etc. Ce qui va mener à des soucis, enfin, ce qui va mener à des personnalisations assez poussées de chaque modèle de véhicule suivant chaque composant qu'on achète pour ce véhicule. Et la deuxième chose, c'est que le bus série et le bus CAN n'ont rien à voir. Hein. Un bus série, c'est un échange de 8 octets, enfin, un échange de 8 bits, donc on échange octet par octet, alors que le bus CAN, c'est une trame complète qui est générée. Donc c'est très peu compatible avec le bus principal. Il va falloir faire pas mal de composants qu'on appelle passerelles, qui lient du série et qui renvoient du CAN, et ces composants ont un certain coût. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse autre chose. Et le consortium, là, les cinq constructeurs et puis le fabricant de semi-conducteurs et le sous-traitant, ils se sont mis autour d'une table et ils ont rédigé un cahier des charges. Alors le cahier des charges, pour avoir un protocole et un bus qui est utilisé dans ces fameux sous-bus. Donc voici le cahier des charges qui est sorti en fait. Il faut que le bus il soit de standard automobile, donc ça veut dire qu'il y ait une interconnexion facile entre le véhicule et puis le composant, le nœud qui donne l'information, qui est souvent fabriqué par le sous-traitant. Il faut que le prix de revient soit moins élevé que le CAN, sinon autant faire du CAN, hein, on est d'accord. Si possible, qu'il soit divisé par 10 ou 15, hein, tant qu'à faire. Il faut que la fiabilité soit similaire au CAN, puisque c'est pas parce qu'on fait un sous-bus qu'on veut perdre en fiabilité. Hein. Ça reste des composants multiplexés. Si on perd en fiabilité, autant utiliser du CAN. Il faut que ça soit une solution sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose que les étudiants et les jeunes ingénieurs ont du mal à appréhender, si je puis dire, puisque cette solution-là, elle va paraître assez archaïque, et pourtant, la solution que je vais vous présenter, hein, elle va paraître beaucoup plus archaïque que le CAN, et pourtant, bah, elle fonctionne depuis l'UART, ça fonctionne depuis des années et des années. Et si c'est une solution qui est pas chère
et qu'on pourra mettre en œuvre en production pendant un certain nombre d'années, ben on s'assure d'une certaine rentabilité. Il faut que ça soit une extension logique du CAN. Alors qu'est-ce que j'appelle extension logique? Une extension logique, ça veut dire que les données d'une trame CAN et l'identifiant soient facilement reproductibles sur le sous-bus. Je vous cite un exemple. Si le protocole qu'on va définir, il a 2 octets de données maximum. Donc dans une trame, on peut envoyer que 2 octets. Une trame CAN, ça a jusqu'à 8 octets. Donc quand on va recevoir 8 octets, ça veut dire qu'on va générer 4 trames de notre nouveau protocole. Mais c'est assez contraignant, parce que du coup, on multiplie par 4 le nombre de trames qui va passer sur le sous-bus. Alors que le but, à la base, c'était de décharger. Hein. Même si on est d'accord que le bus principal et le sous-bus seront maintenant isolés. Donc l'idée, c'est de pouvoir reprendre l'identifiant du CAN, reprendre la donnée du CAN, et puis avec le nouveau protocole qu'on met en place, on puisse s'interfacer rapidement. Une trame égale une trame. La longueur d'une trame CAN égale à peu près la longueur d'une trame ligne. On va dire si on enlève les champs annexes, mais si on prend que la donnée identifiant, qu'on puisse s'y retrouver. Il faut qu'il soit extensible, puisque j'ai dit avant que c'est une solution long terme. On sait, et on a vu là dans les années 1999-2000, que le CAN commençait à saturer, parce qu'on mettait beaucoup de nœuds sur un bus. Donc on s'attend à ce que eh bien, ça fasse la même chose avec, avec ce fameux protocole qu'on va décider de mettre en place. Donc il faut une certaine capacité à s'étendre par l'ajout de nodes. Alors nodes c'est le nom qu'on donne aux composants sur le bus LIN. Nœuds, c'est le nom qu'on donne aux composants sur le bus CAN. Hein. C'est pareil, hein. Nodes et nœuds, c'est pareil. Nodes, c'est LIN, nœuds, c'est CAN. Et il faut que justement le coût de ces nodes, le coût du nœud, le coût de raccordement du composant au bus, eh bien, il soit le plus faible possible. Et pour qu'il soit le plus faible possible, ça passe par le fait qu'il faut qu'il n'y ait pas d'oscillateur sur les nœuds, qu'il y ait une facilité d'implémentation, et que la programmation soit aisée, donc on va partir sur un principe de machine d'état. Et bien sûr, on est dans un environnement automobile avec des contraintes temps réel strictes qui vont être imposées dans des cahiers des charges de fabrication. Donc on se doit de garder un temps de réponse court. Alors, temps de réponse court, hein, on va être quand même. Le LIN, c'est quand même déjà un sous-bus. On va pas utiliser ça pour de la sécurité, etc. Donc on va dire de l'ordre maximum de 100 millisecondes. Donc à partir de ce cahier des charges, le consortium LIN est arrivé avec le protocole LIN et avec le bus LIN, pardon, son architecture protocole est basée sur les points suivants. Donc afin de réduire les coûts, et puis d'avoir quelque chose de facilement implémentable au niveau architecture, on a décidé d'implémenter un seul câble de transmission. Donc le CAN avait deux câbles, et c'était une mesure différentielle, pour savoir si c'était un bit dominant ou un bit récessif. Ici, on aura une implémentation sur un seul câble. Alors je mets quand même une réserve là-dessus. Le câble de masse n'est pas compris là-dedans. Mais il y a bien une masse qui traverse. En fait, on va profiter d'utiliser la masse du véhicule, du 12 volts du véhicule, pour faire passer signal de masse. Donc on est bien d'accord que la détection d'un bit dominant ou d'un bit récessif d'un 0 à 1 va se faire par la différence de potentiel entre bah, le câble de signal là, qui est implémenté par le bus LIN, et la masse du composant du nœud de la node, qui doit être partout la même. Donc ça impose que toutes les nodes d'un bus LIN, tous les composants reliés sur le bus, aient la même masse commune. La vitesse de communication, 20 kbits par seconde. Donc, vous avez vu, c'est très faible. Donc c'est pour ça qu'on va réserver ce bus-là principalement à du confort. Le bus CAN reposait sur le principe de multimètre. Donc chacun pouvait prendre la parole lorsqu'il voulait. Ici, le bus LIN a été fabriqué pour une utilisation en sous-bus. Donc on va repartir sur un protocole maître-esclave classique, comme on le connaît. Ce n'est pas vraiment dérangeant puisque
On est d'accord que dans le sous-bus, on va avoir un nombre de nœuds qui vont être limités et avoir un maître qui va imposer les communications dans le bus fait sens dans ce cas-là. Maître-esclave apporte certains avantages. Hein. On n'a pas besoin d'avoir tout ce qui est mécanisme d'arbitrage, etc. Puisque c'est le maître qui va initier à chaque fois la communication. Donc là, on est assez tranquille. Du coup, le protocole mis en œuvre, le protocole Lean, est basé sur une architecture de type UART, donc SCI UART. Ce qui veut dire que, et je dis bien UART et pas USART, hein, donc c'est Universal Asynchronous, ce qui veut dire que ben, on n'a pas de signal d'horloge. On n'a qu'un seul câble qui est la donnée en fait. Donc on n'a pas de signal d'horloge, donc on a une autosynchronisation sans oscillateur dans les nodes esclaves. Ok. Ça veut dire qu'on n'a pas de signal d'horloge qui va d'une node à une autre. Donc chaque maître et esclave sur le bus ont leur propre horloge, et comme le bus scan en fait, hein, et comme le bus scan, par contre, il faut faire attention, il faut qu'on les synchronise au même moment. Alors, il y a moins de mécanismes de synchronisation que le bus scan. Parce que ça coûte moins cher, parce qu'on est sur des vitesses beaucoup plus faibles et qu'on aura beaucoup moins de désynchro. Et bien sûr, il faut un temps de réponse garanti pour la transmission du signal. Alors, où se place le protocole Lean en termes de coût de fabrication et de vitesse de communication par rapport eh bien, aux autres protocoles? Donc, très clairement, le Lean, c'est celui qui coûte le moins cher. Et c'est celui qui a la plus faible vitesse de communication. Donc il est très apprécié dans l'automobile, puisqu'il coûte une somme ridicule, voire rien du tout, puisque c'est principalement plus du temps de programmation que des composants à mettre en place. Donc 20 kilobits par seconde, hein, c'est vraiment très faible aujourd'hui. Alors vous faites gaffe sur mon slide, c'est marqué CAN C, CAN B. Le CAN B c'est le CAN 1.0, low speed, et puis le CAN C c'est CAN high speed. Donc très clairement, le but du Lean c'est pas d'aller concurrencer le CAN, c'est d'être complémentaire par rapport au CAN, tout en étant moins cher. Le CAN a une vitesse plus élevée, et puis après on va retrouver d'autres protocoles. Alors, je devrais mettre à jour cette slide puisqu'il en manque le principal, celui qu'a percé aujourd'hui, c'est le FlexRay, qui est à peu près comme le ByteFlight. Ok. Alors, quel est le principe de communication du protocole Lean? Donc, le protocole Lean, c'est un protocole maître-esclave. Donc, parmi toutes les nodes qui sont sur le bus, une d'entre elles va jouer le rôle de maître. Donc, une node est choisie pour contrôler toutes les communications. Le maître, il contrôle toutes les communications. Dans le CAN, chacun pouvait prendre la parole au moment où il le voulait. Dans le Lean, un composant qui est esclave ne peut pas prendre la parole tout seul. C'est uniquement le maître qui initie la communication. Donc, du point de vue du maître, lorsque le maître va parler, il va y avoir deux cas de figure. Le maître veut aller écrire une information sur le bus en vue d'un esclave, ou le maître veut aller lire l'information d'un esclave. Dans les deux cas, dans le cas où il écrit, mais aussi dans le cas où il lit, c'est le maître qui initie la transmission. Ça veut dire que même si c'est l'esclave qui a quelque chose à envoyer, eh bien il va attendre que le maître lui donne le signal d'envoyer pour pouvoir bah, envoyer ce qu'il veut. Alors du coup, ça pose un petit peu un problème. Enfin, ça pose un problème. Ça pose des contraintes dans le protocole. Donc ça veut dire que le maître, il faut qu'il s'adresse à un esclave. D'accord? Ouais. Bah exactement comme dans le CAN où on avait l'adressage sur un identifiant. Donc c'était pas de l'adressage, c'était un identifiant. Donc l'identifiant pointait sur une donnée, je vous rappelle, hein, il ne pointe pas sur un nœud. Et bien ici c'est pareil, on va reprendre la même chose pour avoir une extension logique du CAN.
au lieu d'avoir un identifiant qui a une certaine adresse, eh ben on va pas faire comme ça. Au lieu d'avoir un esclave, pardon, qui a une certaine adresse, on va pas faire comme ça. Dans les esclaves, on va les laisser choisir des adresses qu'ils veulent. Alors on n'appelle pas ça des adresses, on appelle des jetons, des tokens. Ils peuvent avoir plusieurs jetons, et un jeton correspond à une information. Alors que ce soit une information qui est écrite par le maître vers l'esclave, ou que ce soit une information qui est lue de l'esclave vers le maître. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi pas reprendre le bon vieux principe de l'I2C, du SPI, où c'est qu'on a une adresse physique de chaque composant? Eh bien parce que comme ça, ça fonctionne exactement comme le CAN en fait. Hein? À part que c'est le maître qui initie toujours la communication, le token, là, le fameux token, c'est l'équivalent d'un identifiant. Et vous pouvez avoir très bien un token qui est vu par un esclave comme une adresse d'écriture. Donc lorsque le maître envoie ce token, après l'esclave sait que le maître va encore envoyer des informations et l'esclave va les lire. Ça peut être vu comme un totem de lecture, où le maître envoie le token et après il s'attend à ce que celui qui est reconnu par le token lui envoie des informations. Et ça peut même être un token qui est vu comme une écriture par un esclave et une lecture par un autre. Par exemple, le maître envoie le token et l'esclave 2 va aller écrire sans information sur le bus et l'esclave 3 va lire l'information sur le bus. Donc là, en fait, c'est l'esclave 2 qui va parler à l'esclave 3. Ça, c'est possible. La seule prérogative, c'est que c'est toujours le maître qui initie la communication. Alors, ce fameux jeton, il est codé sur un certain nombre de bits, hein. On va le voir par la suite. Et la distribution des messages, elle est basée sur le principe d'adresse. Donc, quand vous dites token, jeton, adresse, en ligne, c'est la même chose. Et il y a 64 tokens différents maximum. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre 64 composants sur un bus ligne. 64 nodes, non. Ça veut dire qu'il y a 64 types de jetons différents. Donc un esclave peut très bien avoir 4-5 jetons. Ok. Le maître est également esclave. Enfin, le maître peut également être esclave. C'est-à-dire que le maître peut également avoir des jetons. Du coup, théoriquement, il pourrait y avoir plusieurs maîtres sur le bus. Mais attention, faites très attention si vous faites ça. Il n'y a pas de mécanisme d'arbitrage, ce qui fait que si deux maîtres parlent en même temps, eh bien il y aura des collisions qui ne pourront pas être, on va dire, anticipées et soignées. Alors, le principe du token. Donc, pour le maître, il détermine la priorité des messages. En fait, on va servir exactement comme, enfin, on peut, hein, ça, tout est libre. La norme ne nous impose pas ça, mais on peut fonctionner exactement comme le CAN. Vous vous souvenez, le CAN, plus l'identifiant était petit, plus il était prioritaire. Là, il n'y a pas de mécanisme d'arbitrage. Mais vous pouvez très bien choisir, à l'intérieur de votre code, lorsque vous voulez envoyer plusieurs messages, de prioriser celui qui a le plus faible jeton. Pas de souci. Ça gère les données circulant sur le bus en contrôlant les bits de contrôle et les erreurs. Puisque c'est toujours l'UART derrière qui fonctionne. Donc si vous avez une erreur lors d'un envoi, l'UART va lever ses flags, il n'y a pas de souci. Le maître, c'est lui également qui établit l'horloge de référence pour la synchronisation. Tout comme le CAN, on a un start of frame en fait, et toutes les horloges des récepteurs, donc des esclaves, se calent sur l'horloge du maître à ce moment-là. Et puis, il reçoit les informations d'activation, donc wake up, break des nodes esclaves. L'esclave, quant à lui, il est l'un des. Alors, vous avez vu, deux 16 membres du bus. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut avoir jusqu'à 64 jetons. Et au maximum, on met 16 nodes dans le bus. Alors, il sort d'où ce chiffre 16? Il sort pas d'un de mon chapeau par hasard. C'est juste que. Alors, c'est plutôt de la pratique. En théorie, c'est limité. En pratique, vous allez avoir. Il y a une perte de tension à chaque fois que vous mettez une nouvelle note sur le bus. Et comme la tension du lean et la tension d'alimentation du lean est très 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 souvent liée à la tension d'alimentation de la batterie de servitude du véhicule, c'est-à-dire la batterie 12 volts, on a naturellement une limitation du nombre de composants qu'on peut mettre sur le bus, donc qui est limitée à peu près à 16. Bon, nous, on va pas avoir de soucis puisqu'en SM57, on va se limiter à 2. On va relier deux cartes les unes avec les autres. Et puis, l'esclave, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il attend que le maître initie la communication et il va aller lire le jeton.
Donc il reçoit ou envoie les informations que le jeton approprié. Si le jeton le concerne, eh bien il va répondre. Si le jeton ne concerne pas, il laisse la suite de la trame se dérouler correctement. Donc il renvoie les informations que le jeton approprié lui est adressé par le maître. Bon, ça c'était les grandes lignes de comment fonctionne la ligne. Alors ensuite, je reviens à peine en arrière. Vous voyez sur cette slide le maître en dessous, il y a marqué Scheduler ici. Alors, scheduler ou en français on dit organisateur d'agenda, quelque chose comme ça. Ça, c'est un rôle assez crucial dans le protocole Lean. Néanmoins, la norme n'impose pas d'utiliser un scheduler. Okay? Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est des choses qui peuvent être faites, mais elles ne sont pas imposées par la norme. Donc, vous allez voir, nous en TP, je ne vais pas forcément vous parler de ça, même si vous pouvez le mettre en place. Donc, le maître, il fait le rôle d'arbitrage grâce au Lean Scheduler. Donc il définit le jeton à placer dans le message, et le jeton peut être compris soit comme une requête qui contient une adresse, ou soit comme une donnée à écrire. Donc finalement, hein, vous avez vu, écriture-lecture, on peut identifier ça à requête et donnée d'une tramcane. Donc ça fait l'analogie. Donc les nodes esclaves, elles lisent le jeton et agissent en conséquence. Si elles voient que le jeton concerne une requête pour elles et qu'elles doivent répondre, elles envoient la donnée. Si elles voient que le jeton correspond à une écriture, donc comme l'équivalent d'une trame de données CAN, bah elles vont lire cette donnée. Si le jeton n'est pas dans la liste des jetons de l'esclave, eh bien c'est que sûrement le jeton concerne un autre esclave, et donc elles vont choisir d'ignorer la donnée. L'ensemble jeton et données forme le message lean. Donc, jeton, c'est l'équivalent d'identifiant, données, bah, c'est l'équivalent de données. Grâce à cette méthode, donc, chaque message ligne, il est vu par l'ensemble des nodes. Hein, le message, il est vu par tout le monde. Y compris, bien sûr, la node maître, qui peut la traiter si elle a une tâche esclave qui lui est associée. Donc, c'est possible, hein. Alors, on arrive au format de la trame. Donc là, c'est l'équivalent de la trame CAN. Hein. Enfin, l'équivalent. C'est la trame LIN, mais l'équivalent de ce que je vous ai montré déjà en CAN. Donc une trame LIN, c'est séparé en deux parties. Comme c'est une communication maître-esclave, c'est toujours, toujours, toujours le maître qui initie la communication. Donc le début de la trame, c'est toujours le maître qui l'écrit. Donc toujours la même personne sur le bus. À la différence du bus CAN, qui est un bus multimètre où on ne sait jamais qui parle, en fait, et bien dans le bus LIN, c'est totalement l'inverse, on sait toujours qui parle. Hein, dans le bus CAN, on ne sait pas qui envoie, mais on sait ce qu'il veut. Il veut un identifiant. Et s'il fait une requête, il veut la donnée de cet identifiant. Et s'il fait une donnée, il envoie les informations de cet identifiant. Mais on ne sait pas qui parle. Alors que dans le LIN, on sait toujours que c'est le maître qui initie la communication. Donc la communication, elle s'initie, avec le message header, et dans le message response, là il y a deux choix. Hein. Si le message header envoyait un jeton d'écriture, donc c'est également le maître qui va faire le message response. Si le message header concernait un jeton de lecture, eh bien c'est l'esclave qui va faire le message response. La taille des bits, elle est figée. Alors là, vous devriez tiquer un petit peu. Parce que à l'intérieur du message header, on a trois parties. On a le Synchronous Break, Synchronous Fields et PID Field. Alors PID Field, je vous le dis, c'est le jeton. D'accord? Et là, vous voyez que c'est 14 bits, 10 bits, 10 bits. Et Data 1, c'est 10 bits, 10 bits, 10 bits, jusqu'à 8 octets, donc 80 bits. Le checksum est également sur 10 bits. Et là, vous vous dites, il y a un problème parce que. Le protocole LIN, il est basé sur l'UART. Et l'UART, c'est un échange de paquets de 8 bits. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, on va échanger des paquets de 8 bits et il y aura 2 bits de pause, si on peut dire, entre chaque nouveau paquet. Un bit avant, un bit après. Ok, alors comment ça marche? Voici un diagramme qui vous explique comment est-ce qu'on fait pour envoyer une donnée.
du maître et comment est-ce qu'on va faire pour recevoir la donnée de l'esclave. On va commencer par le maître. Donc, au début, on initialise la communication. Donc, on va attendre que le message qu'on veut envoyer, enfin, le message précédent a fini de s'envoyer. Donc, il faut que la trame soit libre. D'accord? C'est ce qui est marqué par Wait for message to send. Ensuite, une fois que la trame est libre, la première chose qu'on va transmettre, c'est ce qu'on appelle le break. Hein? C'est ce que je vous ai montré précédemment. Donc, c'est le champ break. Donc, je transmets le message header. Le message header étant séparé de trois champs. Je vous rappelle, hein, message header, c'est ça. Et il est séparé de trois champs. Il est donc le champ break de synchronisation, le champ de synchronisation et le jeton qui s'appelle PID field. Donc, je commence par transmettre un break. Une fois que ce break est transmis, je transmets un signal de synchronisation. Et une fois que c'est transmis, eh bien, j'ai deux choix. Suivant le jeton que je veux envoyer, suivant le PID que je veux envoyer, soit ensuite j'écris, soit je lis. Ok. Donc, transmit identifier, c'est l'identifiant, donc c'est l'équivalent du PID de la figure précédente. Donc, si je choisis un jeton qui va faire que je continue à envoyer des données, donc le maître envoie vers l'esclave. Donc je vais transmettre la donnée, et enfin là où les données, hein, donc de 0 à 8 octets, et puis je transmets le checksum pour vérifier que la donnée est correcte. Donc checksum, c'est l'équivalent du CRC. Si par contre j'avais choisi de mettre un identifiant de lecture, eh bien cette fois-ci, c'est l'esclave qui va m'envoyer les données. Donc je vais recevoir les données, hein, donc de 1 à 8 octets, et je vais recevoir le checksum. Et généralement, ce que je vais faire, alors là, j'ai pas mis de bulle au-dessus, mais je vais vérifier que le checksum reçu correspond au checksum que moi j'ai calculé. Lorsque j'ai fait ça, eh bien, j'attends un nouveau message et je recommence. Du côté de l'esclave. Dans l'esclave, nous n'envoyons pas le message header. Par contre, il faut le détecter, hein, pour pouvoir se synchroniser avec le maître. Donc l'esclave, tout ce qu'il fait quand il fait rien du tout et qu'il est configuré, il attend le signal de break. Il attend les 13 bits, parce qu'on va parler de 13 bits, qui sont à 0. 13 bits à 0 consécutifs. Si c'est le cas, il sait qu'il a reçu un break. La chose suivante qu'il fait, c'est qu'il attend de recevoir le signal de synchronisation. Une fois qu'il a reçu le signal de synchronisation, il va recevoir un jeton. Et là, il y a trois possibilités. Première possibilité, la plus simple. Le jeton ne le concerne pas. Donc c'est pas la trame ne lui est pas destinée. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il jette la trame et puis il se remet en position d'attente pour recevoir un nouveau break. Deuxième possibilité, le maître va lui envoyer des données. Donc le maître a envoyé un PID qui est reconnu par l'esclave comme une écriture, c'est-à-dire on va écrire du maître vers l'esclave. Donc l'esclave il va recevoir les données par paquet de 8 jusqu'à 8 octets maximum. Après, il reçoit le checksum. Et bah, là, dans le programme principal, vous pouvez vérifier que le checksum est correct. Et si c'est oui, eh bien, vous pouvez réceptionner les données correctement. Enfin, vous pouvez traiter les données réceptionnées correctement. Et la dernière chose, c'est dans le cas où le maître vous a dit qu'il lui attendait des choses de vous. Donc vous allez envoyer les données. Et transmettre également le checksum par rapport à cette donnée. Voilà. Alors, une représentation graphique de ça. Donc, à gauche, la node maître, à droite, la node esclave. Donc, comme je vous l'ai dit, la node maître peut également avoir des jetons. Donc, en jaune, dans les carrés gris, ce sont les jetons. Donc, l'esclave, il a un jeton de réception, un jeton de transmission. D'accord? Donc, la première chose qu'envoie le maître, c'est le synchronous break. Ensuite, le synchronous field et ensuite l'identifiant. Donc, l'identifiant, c'est le jeton. Là, l'esclave répond. Donc, on est dans le cas où le maître a envoyé un jeton de transmission d'esclave. C'est-à-dire, l'esclave va transmettre des informations au maître. Et bien, après le PID, après l'identifiant, c'est l'esclave qui prend le relais et il envoie le premier octet,
le deuxième octet, le troisième octet, etc., etc., hein, autant dont se faire se peut. Et puis après, il envoie le checksum. Et puis c'est tout. C'est tout. À vous, dans votre code, de vérifier que le checksum est OK et de traiter les informations reçues. Donc la trame est terminée à partir de là. Un autre exemple. Un autre exemple, le maître, il va envoyer des informations cette fois-ci. Donc il commence toujours pareil, hein, il envoie le synchronous break, il envoie le synchronous field, et après il envoie le jeton. Et alors là maintenant, peut-être pour vous montrer un petit peu qu'il y a d'autres configurations possibles, il n'y a pas un esclave, mais il y en a deux d'esclaves. Et ces deux esclaves, ils ont chacun un jeton de réception et un jeton de transmission. Seulement le truc, c'est que le jeton de réception, ils ont les deux le même code. Hein? Ils ont les deux le même code. Donc s'ils ont les deux le même code, bah, c'est pas grave. Le maître, en fait, quand il va envoyer le jeton ici, les deux vont comprendre que c'est un jeton de réception et les deux vont se mettre à écouter. Et sur le bus, ça ne pose aucun souci. Donc le maître, il envoie ses données, tac, 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 tac. À la fin, il envoie le checksum et il arrête. Et eux ont bien récupéré et la donnée et le checksum. Ok. Je vous ai fait un petit peu le petit speech tout à l'heure, je vous le refais. Il se peut aussi que, finalement, la communication, j'ai pas envie qu'elle se fasse entre le maître et l'esclave, j'ai envie qu'elle se fasse entre deux esclaves. Eh bien, c'est possible, par contre, à la condition que ce soit le maître qui enclenche la communication. Donc, pour ce faire, il va envoyer le synchronous break, il va envoyer le synchronous field, le jeton. Alors, dans l'esclave A, le jeton est compris comme un jeton de transmission, et dans l'esclave B, eh bien, le jeton est compris comme un jeton de réception. Donc, slave task trans de la node A, c'est égal à slave task rec de la node B. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire la node A? Comme c'est une transmission, après le jeton, il va commencer à envoyer des données. Et en fait, ces données, ils vont aller directement à la trame, à l'esclave B, sans passer par la node qui est maître. Ok. Et voilà, à peu près, je crois que j'ai balayé à peu près tous les cas, enfin, pas tous les cas, mais toutes les possibilités différentes, en tout cas pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc si je récapitule un petit peu, le protocole LIN, c'est un protocole maître-esclave, donc c'est toujours le maître qui initie la communication. Et puis, il a plusieurs outils à sa disposition, soit il écrit ou il lit directement avec quelqu'un, soit il écrit ou il lit dans une réunion, à plusieurs esclaves, etc., etc. Ok. Alors, voyons un petit peu dans les détails, plus en détail, ces fameux champs. Donc, je vous rappelle, il y a deux champs dans la trameline. Il y a le message header et le message response. Donc, on va commencer par le message header. Donc, le message header, il est composé de trois champs. Le synchronous break, le synchronous field et le jeton. Le jeton, donc on appelle ça PID, pour protected identifier. Alors, en fait, c'est assez simple. Le synchronous break, c'est tout simplement 13 bits à 0. C'est tout. Suivi d'un bit qui se met à 1. Alors, le bit qui se met à 1, c'est un bit qu'on appelle TDEL, pour Time Delimiter. Ok. Alors, le bit dominant est un 0, tout comme dans le CAN. Et le bit 1 est un bit récessif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'écris sur le bus, j'écris un 0, et si personne n'écrit rien du tout, le bus il va remonter à 1 automatiquement. Donc en fait, ce TDEL, là, ce 14e bit, c'est pas vraiment un bit, c'est juste qu'on laisse le temps de relâcher. C'est tout. Ok. Du coup, vous ferez gaffe, et c'est le cas en SM57, on ne va pas le prendre en compte, ce 14e bit. On va juste mettre 13 bits à 0. Et puis après, quand on commencera à réécrire autre chose, le temps qui se passe entre les deux là, eh bien, ça fera notre TDEL.
Donc ça veut dire que les 13 bits là, ils sont cadencés avec l'horloge. Et le bit TDL là, il n'est pas forcément cadencé avec l'horloge. Donc il peut se passer un tout petit temps. Okay. Pour certains composants, ça peut être critique. Donc il faudra laisser le même temps qu'un bit de n'importe quel champ. Pour d'autres composants, à partir du moment où vous faites 13 bits à 0 et vous repassez à 1 un tout petit instant, ne serait-ce que quelques nanosecondes, ils ont le temps de le voir et ils continuent. Donc ça dépend. Pour faciliter la chose en TP, on ne va pas s'en occuper. On n'envoie que 13 bits en fait. Pareil, le synchronous field, en fait, on envoie 0,55. Et puis après, on relâche. Donc ça fait un bit de plus, ça fait 11 bits en fait. Mais nous, on va. Enfin, ça fait pas 11 bits, pardon. Ça en fait 9. D'accord? Et 10 si on comprend le premier passage à 0, et 11 si on comprend le TDL. D'où les fameux 11 bits de tout à l'heure. Mais nous, on va pas trop se casser la tête, on va juste envoyer 8 bits 0x55. Et puis l'ID, il peut être jusqu'à. Je l'ai mis tout à l'heure, je reviens dessus, hop. Il est de 10 bits également, mais c'est la même chose. Vous avez un délimiteur qui est là, donc un passage à 0, et ici un passage à 1. Donc pareil, certains composants, il faut faire attention à ça, il faut les prendre en compte. Nous, on n'a pas besoin de les prendre en compte, parce qu'entre les deux cartes, c'est directement l'UART. Donc on va envoyer 8 bits. Donc les jetons sont sur 8 bits, donc il y a 255 jetons maximum. Ensuite, donc ça c'est pour le, pardon, c'est pour le message header. Donc je vous rappelle, le message header, c'est toujours, 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 toujours le maître qui l'écrit sur le bus. C'est jamais un esclave. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme c'est le maître qui initie la communication, si vous avez un fonctionnement, par exemple, par interruption de l'UART, eh bien, l'interruption ne doit jamais se déclencher avant d'arriver à la fin du message header. Si elle se déclenche avant la fin du message header, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de prendre la parole. Donc il y a un deuxième maître sur le bus. Et puis le message response, bah, il est beaucoup plus simple. Le message response, c'est l'ensemble des bits qu'on sépare en octets, comme pour le CAN. C'est aussi pour ça qu'on l'a fabriqué, hein, pour que c'est une extension du CAN. Donc on envoie octet par octet. Jusqu'au dernier octet que l'on veut, donc ça peut aller jusqu'à 8 octets, et puis après on a un checksum qui est fait, bah on va voir comment on le fait en TP, ce fameux checksum. Alors le checksum, c'est l'équivalent d'un CRC, hein, c'est pour voir si on a bien envoyé. Le checksum classique concerne uniquement le champ de données, donc ça c'était sur la spécification lin1.x. Et le checksum avancé, c'est sur le champ de données et l'ID. Donc quand vous êtes en ligne 2.0. Moi, je ne me suis pas embêté. J'ai fabriqué moi-même le checksum en TP. Et il est uniquement sur le champ de données. Donc c'est un peu comme si j'avais du ligne 1.x. La donnée, c'est calqué sur la donnée CAN. On envoie des octets, maximum 8 octets. Alors, attention à ce que je vais dire par la suite. Dans la norme, on vous dit qu'il faut envoyer les données sous forme Little Indian ou encore sous forme Intel, c'est-à-dire le bit de poids faible est envoyé en premier. Dans la pratique, en fait, vous pouvez faire comme vous voulez. En TP, là, qu'est-ce qu'on fait? On va configurer deux cartes pour communiquer entre elles. Alors, vous n'allez pas configurer deux cartes, vous allez configurer une carte avec votre binôme, puis un autre binôme va configurer une autre carte. Et puis vous communiquerez entre vous. Mais si vous décidez d'envoyer les données avec le MSB en premier, bah ça marchera, il n'y a pas de souci. Du moment que quand vous recevez la donnée, vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Okay? Donc, lorsqu'on travaille avec des vrais composants, on envoie le LSB, enfin en tout cas, la norme impose qu'on envoie le LSB en premier. Alors vous faites attention aussi, pareil, moi je me suis déjà retrouvé avec des composants un peu spécifiques en ligne qui envoient le MSB en premier. Donc ils respectent pas la norme. Okay. Mais c'était des vieux composants avant que la norme soit établie. Maintenant qu'il y a la norme, normalement tous les nouveaux composants lean envoient avec le LSB en premier. Pardon, je finis là-dessus. Donc on envoie 8 octets, puis après on envoie le checksum et c'est bon. Donc le checksum permet de vérifier que les octets envoyés sont corrects. Alors,
Je vous ai dit que le protocole Lean, c'était un protocole asynchrone sans oscillateur supplémentaire. Ça veut dire qu'on sert uniquement du microprocesseur, du microcontrôleur pour pouvoir trouver le bon moment, le bit timing, où on va lire l'information. D'accord? Comme on avait fait en CAN. Donc il faut un mécanisme de synchronisation des sources pour que tout le monde parle et écrive au même moment. Alors la condition initiale, c'est que on est sur la source d'émission plus ou moins 4% de précision. Si on est au-dessus, ben on va être dans les choux et on n'arrivera pas. On va se décaler en fait. Donc une transmission standard de données, elle nécessite des vitesses de transfert identiques pour l'émetteur et récepteur. Ça me paraît logique, mais je vous le dis quand même. S'il y en a un qui va plus lentement que l'autre, ben il va entasser les octets et puis ça va pas marcher. Donc qu'est-ce qui se passe? Sur une UART standard, ben, on glisse comme ceci. On a un bit de start, un bit de stop, puis entre les deux, on a les 8 bits. Et sur une UART avec un baud rate error d'inférieur à 4%, on lira correctement le message puisqu'on ne glisse pas et on ne se retrouve pas avec un moment où on ne sait pas si c'est un 0 ou un 1. La condition initiale pour la trame de synchronisation, c'est qu'il y ait plus ou moins 15% de précision avec la source d'émission. Donc ça, c'est lorsque vous recevez le message header, là, tout début, faut qu'il y ait plus ou moins 15% de précision. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'au début, on met 13 bits à 0? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le break de synchronisation. Donc, un break de synchronisation doit durer au minimum 13 bits pour compenser l'erreur de lecture de la node esclave. C'est-à-dire qu'au début, l'horloge, elle n'est pas forcément synchronisée. Donc le temps qu'on synchronise, eh ben, on va laisser les bits à 0 pour être sûr d'être bien synchronisé de l'esclave vers le maître. Alors je vous rassure, ça c'est quelque chose qui se fait tout seul, parce que c'est déjà fait dans l'UART. Donc là-dessus, logiciellement, vous n'avez rien à faire. Alors le format des messages et surtout l'espacement des champs. Donc un temps d'espacement entre chaque champ pouvant aller jusqu'à 40% est réservé dans la définition du protocole. Ceci permet aux nodes ayant des composants peu fiables de ne pas se désynchroniser et donc de perdre la trame. Cet espace doit être pris en compte dans le dimensionnement du bus, le calcul de la vitesse de transmission, etc. etc. Vous avez une petite formule qui est T de frame max égale à donc, la trame complète, hein, donc ce qu'on voit tout en bas ici, là. Elle est composée de deux champs, donc T header et T response. Et puis au milieu, il y a un response space. Okay. Eh bien, ce response space ne peut pas dépasser plus de 40% de la valeur normale définie. Qu'est-ce que c'est la valeur normale définie? C'est 1 bit à la vitesse que l'on veut. Par exemple, si on travaille à 9600 bauds, ça fait 9600 bits par seconde. Donc le response space classique, c'est 1 divisé par 9600. Et donc, si le response space dure plus longtemps que 1,4 divisé par 9600, ben on va avoir des problèmes sur le bus. Votre trame ne sera pas lue. Et entre chaque champ, on a ce qu'on s'appelle des interbit space. Alors en d'autres mots, la node peut délayer l'envoi du prochain octet tant que la somme des délais ne dépasse pas 40% du temps de la trame. Okay. Pour pouvoir s'étirer et se synchroniser correctement, dans les interbit space et dans le response space, on peut faire des pauses plus ou moins longues. Et puis ça affecte la suite de la trame. Ok, voilà à peu près tout, enfin à peu près tout, c'est déjà pas mal, concernant la trame en elle-même. Alors il manque un truc, il manque quand même comment est-ce qu'on fait un bit de comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on arrête. Bit de start, bit de stop. Donc c'est très facile, hein. Il n'y a qu'un seul signal dans le bus Lean. Donc le bit de start, c'est ni plus ni moins que le passage d'un bit récessif à un bit dominant. C'est le même que le CAN. C'est-à-dire je passe de 1 à 0. Et le bit de stop, eh ben c'est le passage de 0 vers récessif, c'est-à-dire 1. Si vous vous souvenez bien avec le CAN, je vous avais introduit le bit timing et je vous avais introduit le sample point avec segment de phase 1, segment de phase 2, etc.
À quel moment on prélève l'information? Donc ici, tout n'est pas autant configurable parce qu'on se base sur l'UART et dans l'UART, on n'a pas autant de précision dans les modules UART qui existent. Donc ce qu'on fait simplement, c'est on va toujours prélever l'information au milieu du champ. Donc au milieu de l'horloge interne. D'où l'intérêt de ne pas glisser. On la prélève en trois points pour pouvoir faire une comparaison. Donc comment ça marche? Après la reconnaissance du start bit, la donnée elle est prélevée au taux de 16 fois le bitrate configuré. Hein? Donc le bitrate, c'est le temps d'un bit, nominal bit time, hein, l'équivalent de nominal bit time en CAN. Et ce temps d'un bit, là, vous le divisez par 16. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller prélever l'information. Donc les trois données, on la prélève en trois points. Donc les trois données prélevées doivent être identiques pour que la réception du bit soit valable. Sinon, il n'est pas valable, il est jeté. Alors, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout. Comment était constituée la trame, comment constituer la donnée. Il me reste un truc à dire sur l'architecture. Quelles sont les tensions mises en jeu? Et comment on détecte un front montant, un front descendant? Comment on détecte un bit dominant, un bit récessif, un 0 ou un 1? Donc la détection des fronts montants et descendants est affectée par les tensions de référence. Donc ça affecte le bit timing de la donnée. Un certain degré de tolérance par rapport à la vitesse de transmission nécessaire pour que les communications lignes soient fiables, puisqu'elles sont en faible commun. J'en dis pas beaucoup plus. Si, quand même, je m'appuie un peu sur le dessin là, j'étais un peu chiche en commentaire. Donc, vous avez une limite basse en dessous de laquelle tout bit qui arrive qui a la valeur sur le signal dont la valeur est inférieure à cette valeur là va être considéré comme un 0. Tout bit qui est au-dessus de la valeur verte là va être considéré comme un 1. Tout bit qui est entre les deux va générer une erreur en fait. Voilà comment ça se passe. Alors, faites bien attention à ces slides maintenant. L'interface physique. Comment est-ce qu'on relie physiquement ma carte, la sortie de ma carte avec un composant? Okay. Donc sur la sortie de la carte, vous avez en jaune UART, RX et TX. Eh bien, moi je vous ai dit qu'il y avait, donc ça fait deux fils. Un fil RX, un fil TX. Moi je vous ai dit que dans le bus, il n'y avait qu'un seul fil. Hein? Eh bien ce fil-là, c'est le fil orange que vous voyez. Donc, on en conclut que le bit TX n'est pas relié directement au bus. Eh bien, en fait, on le relie par un transistor. Et puis, on met en place 2-3 éléments intelligents de filtrage, comme par exemple une diode en série avec une résistance. Et puis, voilà. Alors, attention. En TP, on n'a pas ce schéma-là. En TP, on a uniquement RX et TX. Par contre, en TP, on va faire comme si on avait ce schéma-là. Alors, je m'explique. Regardez bien. Le transistor, là. TX, il commande la base du transistor. Donc, quand il y aura un 1 dans TX, le transistor, il va se fermer. Quand il y a un 0 dans TX, le transistor, il va s'ouvrir. Et le drain du transistor, là, moi, avec ce point-là, il est relié au bus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on écrit, quand on met 0, 1 ici, eh bien, donc le transistor, on va le piloter, pardon, en bloqué saturé. Hein. Donc, il fonctionne soit comme un interrupteur fermé, soit comme un interrupteur ouvert. Lorsque cet interrupteur est fermé, TX et RX, il se retrouve... pour fermer le transistor, j'envoie un 1 ici, et TX, RX va se retrouver à la masse. Et la masse, c'est le bit récessif, donc c'est un 1. Lorsque TX, je mets un 0 dans TX, je mets un 0 ici, 0 volts, ça va se considérer comme un interrupteur ouvert, et RX, il va se retrouver à VBAT un peu moins, parce qu'il y a une chute de tension avec la résistance et la diode. Okay. Mais il va se retrouver dans un bit dominant. Récessif, du coup, oui. Récessif parce que c'est 1, dominant parce que c'est dominant quand c'est 0. Ok.
Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis tout ça? Ça veut dire que quand j'écris sur TX, en fait, la valeur de... ça modifie RX. La valeur de RX est le reflet de TX. C'est comme un... c'est comme le mode loopback du CAN, si vous voulez. Sauf qu'en plus, ça va également à l'extérieur. Donc ça veut dire que tout ce que j'écris, je le reçois. Ok? C'est pas bien grave, hein? Mais il faut le prendre en compte. Et en TP, il faudra qu'on le prenne en compte. Ça veut dire que quand vous activez les réceptions par interruption dans l'UART, si après vous envoyez le message header, eh bien vous allez vous le retrouver dans la tête, dans l'UART. Les interruptions vont se déclencher alors que vous n'envoyez pas des données. Vous attendez pas que l'esclave vous envoie des données parce que vous êtes juste en train de commencer à écrire votre question. D'accord? Et puis voilà. Alors, tension d'alimentation. Il y a marqué VBAT 8-18 volts, oui. Souvent, c'est sur la tension de servitude de la batterie. Donc, elle varie hein, sur son état de charge. De, allez, une batterie 12 volts, on va dire 13-4 jusqu'à 12-7, 12-6. Après, il faudra penser sérieusement à la recharger. Donc, c'est pas très grave. Hein, ça, c'est largement assez pour avoir la masse ici, avoir une belle différence de potentiel et bien détecter les 0 et les 1. Ok. C'est tout là-dessus. Ouais, c'est tout là-dessus. Alors, on arrive à l'ordonnanceur. Donc, le maître contrôle la distribution des messages sur le bus à l'aide de l'ordonnanceur. Pas l'ordonnance. J'ai une petite coquille, là. Celui-ci, comment il fait? Il place les messages headers avec des identifiants spécifiques à des temps spécifiques. Le temps d'envoi et les identifiants doivent être cadencés par l'ordonnanceur de sorte qu'un temps d'espace entre deux messages ne dépassant pas 40% du taux total sont mis en œuvre par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc voilà comment ça marche. En fait, dans le maître, il y a une liste de courses, enfin une liste de nœuds à appeler, à communiquer avec eux. Et cette liste, en fait, elle a un certain ordre. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de priorité dans le lean, eh bien la priorité, enfin, il n'y a pas de la priorité dans le protocole lui-même. Par contre, la priorité, la voilà. Donc, vous faites un tableau et vous choisissez qui va être vu en premier, ensuite en deuxième, etc. etc. Vu qu'on est obligé de parler aux composants les uns après les autres. Okay. Et il faut s'arranger pour que... envoyer la trame A, par exemple, jusqu'à envoyer la trame B, ne soit pas en temps plus de 40% du temps d'une trame dominale. Alors l'ordonnanceur, il a une base de temps qu'on appelle mini-slot. Qu'est-ce que c'est qu'un mini-slot? Ça représente le plus petit temps d'exécution du séquenceur. Donc vous voyez ici le scheduler et vous voyez les mini-slots. Donc le nombre de mini-slots donnés pour un message doit garantir le respect des temps de transmission de celui-ci. Donc pas plus de 40% le message plus le temps, mini-slot, avant de démarrer, enfin pas moins de 40% avant de démarrer le prochain message. Donc, ça garantit le respect des temps de transmission et de celui-ci avec le protocole ligne. La somme des mini-slots pour un message est nommée frame-slot. Donc, frame-slot, c'est le fameux frame-slot qui ne doit pas dépasser de 1,4 fois le slot standard. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on découpe en temps? Hop, pardon. Eh bien, c'est parce que généralement, dans votre microcontrôleur, vous allez avoir... une liste d'esclaves avec lesquels vous voulez communiquer, et puis vous allez mettre un timer en place, et à chaque fois que le timer il sonne, paf, vous envoyez une nouvelle trame. Super, ça marche nickel. Ce timer, en fait, le problème c'est que les messages peuvent être plus ou moins longs, et donc il peut se passer un certain temps vide, de t'espère qu'on voit ici, entre à chaque fois que le timer il sonne. Ok? Bon, néanmoins ça fonctionne très bien. Le mini slot vous sert à rattraper ce retard, c'est à dire que le frame slot n, n plus 1, n plus 2, etc., ils font tous la même taille et c'est à chaque fois que le timer il sonne. Okay. Et à l'intérieur, si on a besoin, eh bien on peut découper en mini slot pour pouvoir bien allonger ou pas le temps t'espère ici. Bon, ça a peut-être été un peu flou. Donc, on va faire un exemple. Donc,
Pourquoi je vous parle de mini-slot, pourquoi je vous parle d'annoncement, etc. On va faire un exemple assez précis pour vous rendre compte des limites du bus avec ce principe d'ordonnanceur. Donc, lors de la transmission complète d'une donnée, plusieurs temps d'espacement s'additionnent. Hein, donc, les T-frames, là, les. Hop. Les T-spares ici. Donc, ceux-là ici également, etc., etc. Donc, plusieurs temps d'espacement s'additionnent pour former le temps de latence globale de réception et d'émission d'une donnée. Ici, vous avez l'ensemble des temps morts en fait qui s'additionnent. Un exemple. Vous avez la génération d'une nouvelle variable. Je sais pas moi par exemple. Bah, tiens, on va prendre l'exemple de la carte. Vous vous souvenez sur la carte dans le TP1, il y avait un. D'ailleurs, vous allez être confronté à ça en TP. Il y avait un potentiomètre. Et le potentiomètre, en fait, il est relié à l'ADC. Et donc, on fait une conversion analogique numérique pour pouvoir récupérer la valeur du potentiomètre et ensuite l'envoyer sur l'UART. Ben, on peut se dire, on pourrait faire la même chose en ligne. Hein? Moi, je suis un esclave. Quand le maître, il m'interroge, ben, j'envoie la donnée du potentiomètre. Ok. Le maître m'interroge, me dit, je voudrais la donnée du potentiomètre. Ah, mais je ne l'ai pas tout de suite. Il faut que je déclenche l'ADC, il faut que la conversion se fasse, et ensuite que je récupère le résultat. Eh bien, c'est le temps mort qu'on appelle génération du résultat. Ensuite, la nouvelle valeur de résultat est là, il faut que je l'envoie. Donc, il faut que je l'envoie, sauf que le maître, alors, au moment où il me l'a demandé, il est peut-être passé à autre chose et il est en train de communiquer avec d'autres esclaves. Donc, il faut que j'attende mon tour. Donc, pour pouvoir commencer la transmission, il faut que j'attende mon tour. Donc ça, il y a un deuxième moment de latence. Ensuite, j'envoie, ça met du temps à envoyer, bien sûr, hein. Donc ça met du temps pour transmettre, pour compléter la transmission. Et puis, plus tard encore, bah, il va me redemander une nouvelle valeur. Ensuite, il faut que je la reconvertisse, etc., etc. Un exemple de ce qui peut arriver. Vous pilotez par exemple la portière d'un véhicule et vous voulez piloter avec les joysticks là le rétroviseur électrique. Mais la portière du véhicule c'est un nœud CAN, c'est un bus LIN, excusez-moi, où il y a plusieurs nœuds. Il y a le lève-vite, la fermeture centralisée et la commande comment ça s'appelle, du rétroviseur électrique. Et la commande du rétroviseur électrique elle est composée de deux parties. Elle est composée de la partie moteur qui gère les miroirs. Et elle est composée de la partie clavier qui gère le joystick. Ok? Donc qu'est-ce que je dois faire? Moi quand je suis maître de ce bus-là, je voudrais connaître l'état des fenêtres, pour savoir si je les lève ou pas. Je voudrais connaître l'état de la fermeture centralisée, donc lock. Je voudrais connaître l'état du miroir. J'envoie des ordres à chacun d'entre eux. Et puis je voudrais récupérer ce que le bonhomme est en train de faire avec le joystick pour savoir comment je pilote le miroir. Donc il y a 5 tramlines. Ces tramlines, je ne peux pas toutes les envoyer en même temps. Donc je vais devoir les envoyer les unes après les autres. Donc je vais faire un scheduler qui envoie les tramlines les unes après les autres. Le problème, c'est que, en fait, keyboard status, là, c'est le moment où votre appui est pris en compte sur le joystick. Et ben, il va être pris en compte une fois toutes les 5 trames. Et si les autres trames prennent du temps, et ben ça peut créer une certaine latence. Vous appuyez, puis ça m'attend avant d'être pris en compte. Okay? Donc comment on fait pour réduire ce temps? Et ben pour réduire ce temps, il suffit de modifier le scheduler pour pouvoir récupérer l'information du clavier beaucoup plus souvent. Et au lieu de l'envoyer une fois sur 5, et ben j'envoie une fois sur 2. À chaque fois que que je veux aller par exemple regarder le statut de la porte, de la fenêtre, juste après, je mets à jour le joystick avec ce qui a été appuyé, le statut d'un verrouillage centralisé, juste après, je mets à jour le joystick, etc., etc. Et ça permet de réduire la latence. Un autre exemple, alors là, ça va être un peu plus compliqué, ouais, quoi qu'on va essayer de garder le même exemple. Imaginez pour une raison. Ah, bah si, pour une raison X ou Y, vous avez un bouton qui bloque le joystick, c'est-à-dire ça bloque l'état du rétroviseur, et puis vous avez beau toucher au joystick, ça marche plus. Donc,
Si je bloque l'état du rétroviseur, ça ne sert plus à rien d'aller envoyer la trame pour récupérer les infos du joystick. Ça va me faire perdre du temps pour rien. Eh bien, lorsque vous avez une trame là, et que vous avez le message D par exemple qui remonte, j'ai bloqué l'état du rétroviseur, eh bien après, vous n'avez plus besoin d'envoyer le message A qui est récupérer l'info du joystick. D'accord? Donc vous pouvez passer sur une autre table de scheduler. Vous pouvez créer plusieurs tables de scheduler comme ça, et qui vont interagir les unes par rapport aux autres. Enfin, qui vont changer de l'une à l'autre en suivant les décisions que vous avez reçues de certaines trames. Voilà pour les trames. Enfin, pour le cadre général du protocole. Ensuite, je rentre juste dans les données. Vous vous souvenez, en CAN, il y avait des trames de requêtes, des trames de données, des trames d'erreurs. Et bien, vous avez la même chose pour le lean. Vous avez la même chose pour le lean. Alors, premier type de trame, c'est unconditional trame. Ça, c'est facile. C'est une trame qui s'adresse à un esclave. Donc, on envoie le header et l'esclave y répond. D'accord? C'est une trame de lecture. Enfin, le maître va lire les informations. Donc, il envoie le header et l'esclave répond. Ensuite, vous avez event triggered frame. Imaginez que plusieurs esclaves ont le même token de lecture. Donc vous envoyez le token de lecture et plusieurs nodes esclaves répondent au header. Hein? Donc en fait c'est l'équivalent d'avoir plusieurs unconditional frames différentes pour une node qui répond au header et pouvant être interprétée comme un event trigger frame. Ça peut être un cas. Attention, par contre si elles répondent toutes en même temps, il faut qu'elles répondent toutes la même chose parce que sinon ça va faire des collisions. Il y en a qui vont envoyer des 0, il y en a qui vont envoyer des 1. Et attention, ces collisions elles peuvent être détectées parce que avec l'UART on peut détecter des collisions. Je vais vous montrer après les bits qui vont bien. Par contre, c'est à vous de les gérer dans le code. Sporadic frame, c'est le maître envoie la donnée, header plus réponse et aucune collision peut intervenir dans ce cas. Donc là, il envoie tout. C'est ce qu'on a vu le classique au début. Diagnostic frame, c'est une trame diagnostique dont les identifiants sont connus. Donc il y a certains identifiants qui sont, enfin certains jetons qui sont réservés en ligne pour les trames de diagnostic. User-defined frame, il y a certains jetons qui sont utilisés pour des évolutions futures du protocole et pour des couches d'application. Donc c'est user-defined frame et reserve frame. Alors je vous les donne. Donc toutes les trames classiques, vous pouvez mettre un ID compris entre 0 et 59. 59 en décimale. Diagnostic frame, c'est soit 60, soit 61, suivant si c'est vous qui envoyez la trame de diagnostic ou si c'est l'esclave qui va vous répondre avec la trame de diagnostic. Et puis les adresses 62 et 63 ne doivent pas être utilisées puisqu'elles sont réservées pour d'autres fonctionnalités. Un petit exemple. Alors, on va reprendre notre scheduler. Le frame slot est défini pour laisser le temps entre chaque trame de s'effectuer correctement et l'ordonnanceur répète la séquence une fois celle-ci terminée. Donc il a un scheduler, et une fois que le scheduler est fini, il recommence. Hein. Donc j'envoie déjà une unconditional frame. Donc je vous rappelle, le unconditional frame, c'est j'envoie un header à un esclave et celui-ci me répond. Donc vous avez l'inmaster qui est au milieu vous avez et vous avez donc trois nodes sur le bus, le maître et deux esclaves. Vous avez l'inmaster qui est au milieu, l'esclave 1 à gauche, l'esclave 2 à droite. Alors, on prend un exemple. Le leadmaster, il envoie un message header, et l'ID, le jeton, c'est 11. L'esclave numéro 2, il n'a pas de jeton 11 dans son code. Par contre, l'esclave numéro 1, il en a un. Et l'esclave 11, ça veut dire écrit quelque chose au maître. Donc, il va lui répondre. C'est une unconditional frame. Ensuite, le maître il renvoie une nouvelle trame, il envoie 12. Et 12 est compris comme un message d'écriture de l'esclave 1. Donc comme le 11, si vous voulez, il va écrire, sauf que ça va être autre chose. Hein. Et le 12, il est compris comme une lecture de l'esclave 2. Donc l'esclave 2 va lire et l'esclave 1 va écrire. Et donc ce qui va se passer, c'est que l'esclave 2 va lire ce que écrit l'esclave 1. Ça marche sans problème. On peut également faire le cas où avec l'ID 13, là par exemple, l'esclave 2 c'est une trame de lecture,
Donc l'esclave 2 va écrire sa réponse, le maître va la lire, mais également l'esclave 1 va la lire, parce que l'esclave 1, il est programmé pour une trame de réception avec l'ID 13. Voilà. Et puis le dernier, on retombe sur du classique, c'est l'esclave 2 qui répond à l'esclave, au maître qui lui a demandé quelque chose. Donc voilà un peu tous les cas. Rapidement, pour terminer, je vous fais un exemple d'une trame de diagnostic. Donc le maître envoie le message header et la réponse dans le cas d'une trame master, request frame. Donc il envoie ensuite le header du slave response frame, puis la node esclave renvoie la réponse. Je vous ai fait un schéma après pour vous expliquer. Donc l'opération, elle peut être répétée plusieurs fois si 8 octets ne suffisent pas à la configuration de diagnostic de la node esclave. Donc, alors franchement, il n'y a pas beaucoup de composants qui utilisent ce type-là. On s'en sert pour configurer des composants via lib. Donc comment est-ce qu'on fait? Le maître, il envoie 3C et ensuite il envoie ce qu'il veut sur le bus. Donc là, tout le monde peut lire. Normalement, tous ceux qui sont configurés pour avoir une trame de diagnostic vont lire. D'accord? Et puis après, le maître, il envoie 3D. Et là, seulement un esclave doit être configuré et l'esclave va répondre. Donc à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à pouvoir envoyer des registres de configuration sur certains composants pour modifier leurs paramètres. En SM57, en TP, on n'utilisera pas ces adresses du coup. Alors, j'ai presque tout dit sauf la gestion des erreurs. Donc la gestion des erreurs, comment ça marche? Donc la gestion des erreurs sur une trame, elle est faite de deux manières. Elle est faite via le parity check. Donc ça, c'est l'UART qui le fait, c'est pas le lib. Hein. Donc on regarde sur chaque octet la parité. Alors j'ai mis uniquement sur l'identifiant. C'est faux parce que finalement, si vous laissez l'UART faire ça du pic, il va le faire sur tous les octets que vous envoyez. Donc sur tous les champs. Et le checksum, alors le checksum, nous on va travailler en TP en ligne 1.x, donc 1.0. Pourquoi? Parce que je fais le checksum uniquement, je l'ai fait sur la donnée. Mais bon, ça c'est parce que c'est moi qui ai écrit le checksum comme ça. J'aurais pu le faire sur l'IDE également. Okay. Je vous montrerai en TP comment je fais pour faire le checksum. Si la trame est reconnue comme corrompue, eh bien elle doit être, j'ai mis LM, mais elle doit être, parce que c'est vous qui programmez ça, rejetée par la node esclave ou maître. Chaque node esclave surveille son propre état et crée des rapports de statut envoyés de manière périodique au master. Bon, je ne vous demanderai pas de faire ça en SM57, mais généralement, on a une petite trame qui fait ça. Et la gestion des erreurs sur le bus n'est pas définie dans le protocole lean et doit être faite par l'applicateur sur la couche applicative. Donc, c'est à vous de calculer le checksum, de vérifier que le checksum que vous recevez, il est bon avec celui que vous aviez émis à la base, etc., etc. Et voilà pour le protocole Lean. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre la datasheet de l'UART. Je vais me mettre sur cette slide-là, ici. Vous savez, la slide qui vous montre comment on envoie, comment on reçoit, etc. Et je vais prendre la datasheet de l'UART et on va rapidement parcourir quelques points intéressants que je veux vous montrer pour qu'en TP vous puissiez être à l'aise et pouvoir comprendre quand je vous demande par exemple envoyez-moi le break, envoyez-moi ça, etc. Savoir un petit peu comment faire. Ok? Donc il y a peut-être des choses que vous connaissez déjà hein, que je vais reprendre normalement quand je vous avais demandé dans le TP numéro 1, le tout premier TP qu'on avait fait à l'UTBM. Et puis aussi de prendre les TP de confinement, parce qu'on a refait de l'UART, de regarder un petit peu les registres, bah c'est ça. Bien sûr, ce document est sur Moodle. Il est dans. Ah, j'ai fermé la page Moodle. Il est dans. Comment ça s'appelle? Dans notre fichier TP, c'est marqué. Dans ressources, et puis DSpeak 30F41. Datasheet des composants utilisés, DSpeak 30F41. Donc voici le composant. Hop, j'ai cliqué un peu vite. C'est le DSpeak qu'on connaît, et là c'est que pour l'UART, cette datasheet. Donc on vous dit que l'UART bah, elle est capable de fonctionner en deux modes de transmission, donc avec TX et RX. Donc ça c'est nickel, puisqu'on en a besoin dans le lean.
On vous dit qu'on peut faire du 8 bits et du 9 bits. Dans le line, on fait que du 8 bits. Pas de parité, 1 bit de stop. Donc on est tranquille. Vous pouvez activer la parité s'il y a besoin. Mais moi, je ne vais pas l'activer dans le TP. Alors, comment est-ce que ça marche? Ben, vous avez deux pins de sortie. Et puis, elles sont reliées les deux à UART, un UARTX, un UARTRX. Vous avez différents registres. Donc, on va les parcourir rapidement. Pour être sûr, parce que je vais vous demander de réécrire une configuration de l'UART, donc pour être sûr que tout le monde a compris. Donc, que tout le monde comprenne bien, il n'y a pas dans le DSPIC de périphérique LIN. Vous vous souvenez, le CAN, il y avait des registres CAN. Et quand on voulait faire un envoi, on mettait toute la trame dans les registres, après on mettrait TXREC à 1 et paf, ça envoie. Il n'y a pas de périphérique LIN dans le DSPIC. Donc l'UART n'est pas capable naturellement de faire du LIN. Donc quand je parle par exemple de ça, voilà, ça par exemple. Fabriquer les 13 bits là, envoyer 0x55, il faudra tout faire à la main. Ok ? Bon, vous inquiétez pas, c'est pas bien compliqué. Hein. Mais il faut le faire à la main. Il n'y a pas de registre qui fait tout seul. Donc, il faut configurer l'UART. L'UART en TP, on prendra 9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop, pas de parité. Et on fera sortir sur les pins alternatifs de l'UART. Comme pour la... Parce que c'est ceux qui sont reliés à la broche UART de la maquette. Donc, le premier bit, c'est pour activer l'UART. Donc, vous mettez 1 pour activer, 0 pour désactiver. Le deuxième bit, c'est si vous êtes en mode idle. On n'utilise pas ça pour l'instant, SM57. Le bit 10, là, Alt-I-O, c'est pour pouvoir choisir soit vous avez les pins classiques, soit les pins alternatives. Nous, on va choisir alternative sur la carte. Donc, vous mettrez alternative. Le bit 7, c'est pour pouvoir réveiller l'UART sur un bit de start. On n'en a pas besoin. Le bit 6, c'est le mode loopback. Alors, mode loopback, on pourrait se dire ça peut être pas mal, mais non, pas sur le TP qu'on veut utiliser. Puisque, en fait, on utilisera le simulateur, comme on a vu, avec les stimuli. Et puis le moniteur du UART quoi. Et ça fonctionne très bien en ligne aussi. Autoboot enable bit, ça permet de détecter automatiquement la vitesse et de la modifier. Comme c'est nous le maître, c'est nous qui imposons nos choses. On va pas mettre ce bit là. On va nous-mêmes configurer la vitesse. PDCell, c'est la parité et nombre de bits de données. Donc vous avez 9 bits parité, 8 bits parité pair. Parité impair, 8 bits parité pair, 8 bits pas de parité. Donc moi, je vais utiliser 8 bits de données et pas de parité. Et vous pouvez choisir pour faire 1 bit de stop ou 2 bits de stop. Nous, on va choisir 1 bit de stop. Bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit dans l'énoncé de TP. Hein. Donc voilà, donc avec ça, vous pouvez configurer déjà l'UART correctement. Ensuite, vous avez un deuxième registre qui est très important. Qui est le registre de statut. Vous voyez que beaucoup de ces bits sont R-0, R-1, etc. R, quand vous avez que R ici, c'est que vous pouvez que les lire, vous pouvez pas écrire. Donc dans ce registre-là, vous pouvez écrire dans... Alors celui-là, c'est C-0, ça veut dire qu'on met à 0 pour le remettre à 0. On peut écrire dans ADDEN, URXISEL et dans UNTXBREAK. Et UNTXEN. Okay. Donc, faut pas oublier d'activer UNTXEN, là, pour activer l'émission en UART. Et vous avez un bit qui est intéressant, qui s'appelle UNTXBRK, pour Transmit Break Bit. Si je regarde dans les détails, on me dit que la pin TX est maintenue à GND, à l'état bas, en fait, quel que soit l'état du transmetteur. Et ça, c'est pas mal, pourquoi ? Parce que c'est ce que je veux faire ici. Là. J'ai envie d'envoyer 13 bits en mettant à l'état bas et en le laissant pendant 13 bits. Et c'est ce que je vais faire. Alors, si je vais un peu plus loin dans la datasheet, je continue avec les autres bits et puis après j'irai voir ça en plus dans les détails. UNTXEN, c'est pour enable le TX, donc on va le faire. Hein. Et puis après, vous avez des flags. Est-ce que le transmit buffer est plein ? Là, vous pouvez choisir quel mode d'interruption vous voulez faire.
Est-ce que le bit de transmission est plein ou vide? Ça va vous aider. Vous n'allez pas mettre une nouvelle valeur tant que l'autre n'a pas été envoyé. Et puis vous avez quelques bits de flag. Alors je reviens sur UNTX Break. Faut que je retrouve une explication là-dessus. Voilà. Non. Voilà. Transmission à vrai caractère. Alors on vous dit, quand vous mettez le bit UNTX Break à 1, ça va forcer la ligne TX à 0. Super, c'est ce que je veux faire. Et ça force, donc quel que soit ce que vous étiez en train de faire, ça le force. Et ensuite, on vous dit que l'utilisateur devrait, donc vous quand vous codez, vous devriez attendre que TMRT passe à 1 avant de mettre ça. Ok. Quand vous mettez le bit à 1, donc vous devez le mettre par software, donc c'est vous dans votre code qui le mettez, et il va rester à 1 pour un minimum de 13 coups d'horloge. Et c'est super, parce que c'est exactement ce qu'on veut. Ici, on le passe à 1, et il va rester, hop, ici, pendant 13 coups d'horloge, il va forcer à 0. Donc c'est pile poil ce qu'on veut. Et puis, une fois qu'il est revenu à 0, enfin, une fois qu'il a fini ses 13 coups, il repasse automatiquement à 0. Donc ça c'est bien. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que ça marche pas. Quand vous le mettez à 1, certes, ça reste bien à 0, mais il va jamais repasser à 0. Donc il va jamais repasser à 1 ici. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le compilateur, etc. Mais ça marche pas. Donc, on va faire une autre méthode en TP. Vous allez le mettre à 1, donc il va forcer ça à 0. Et ensuite, vous allez calculer le temps ici de 13 bits. Et vous faites une tempo en fait, une tempo de 13 bits, et puis après vous le repassez à 0, donc il va repasser le bus à 1. Ok? Donc voilà comment on va faire ce champ-là. Et puis les champs suivants, c'est tout facile en fait. Les champs suivants, il suffit d'envoyer le code hexadécimal que l'on veut. Donc pour envoyer le code hexadécimal que l'on veut, il suffit. Faut que je trouve réception. Communication 9 bits, non. Voilà, transmettre. Il suffit, une fois qu'on a tout configuré, de mettre la donnée dans UNTXReg, donc dans le registre d'envoi, et puis il s'occupe tout seul d'envoyer la donnée sur le bus, sans qu'on ait rien à faire. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des points précis que je voulais vous montrer sur cette datasheet. Ouais, si je peux encore en montrer 2-3 autres quand même. Je m'étais arrêté à UNSTA là. Voilà. Hop, je m'étais arrêté là. On peut voir également que UNXReg, c'est le registre que vous réceptionnez. Donc ici, vous prenez directement la donnée. Donc ça, vous avez l'habitude. UNTXReg, c'est pour envoyer. Donc vous mettez la donnée dedans et ça envoie tout seul. Donc ça, vous avez l'habitude. Le baud de read register, pareil, ça se calcule. Donc vous avez ici la formule pour le calculer. Donc celui-là, vous le configurez une fois au début, après vous y touchez plus. Vous avez des exemples et vous avez même un tableau qui vous dit combien de pourcentage d'erreur vous avez par rapport à ce que vous avez. Par exemple, je vous montre l'exemple de nous. Nous, en TP, on veut 9,6, donc 9600 baud, 9,6 kilobits par seconde, et puis on a un quartz. On a un FCY de 20 MHz. Donc en fait, ça, en mettant 129 dedans, ça va nous donner 9,654 bits par seconde. Et donc on a un pourcentage d'erreur de plus ou moins 0,2%. Donc on est bon. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Non, pas grand-chose d'autre. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour le lean. Maintenant, vous avez à peu près tout pour avancer. Donc, reprenez bien tranquillement. Donc, cette vidéo va se transformer en vidéo YouTube. Pour les TP, vous allez peut-être en avoir besoin. Donc, reprenez-la bien tranquillement. Il faudra bien lire cette datasheet de l'UART, puisque beaucoup de questions vont porter sur l'UART. Et puis, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit pour la suite, la semaine prochaine, pas de cours. La semaine suivante, ben on attaquera le cours sur les OS temps réel. Pendant les vacances, je mets le cours sur Moodle.
Et puis en attendant, eh bien, on commence en TP le lean dès tout à l'heure pour le groupe de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour le groupe 1, et puis bonne semaine pour les autres, et donc on se revoit, eh bien, dans 2 semaines. Ça marche. Je vous remercie, j'arrête le stream.